Le but de Valeurs Actuelles, c'est de s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire que bon, les gens qui sont déjà convaincus vont trouver ça marrant, puisque bon, a priori, ils sont déjà conquis par la cause, entre guillemets. Mais l'idée, c'était aussi de toucher un public un peu différent, plus étendu. D'ailleurs, notre plus grosse communauté, c'est très surprenant, est sur LinkedIn, alors que c'est plutôt un réseau social plutôt pro, très poli, très policé même, où on va dire les sujets sociaux sont assez peu présents. Et pourtant, finalement, on s'est rendu compte qu'on touchait des gens qui, jusque-là, étaient moins sensibles à la question climatique ou qui étaient sensibles, mais bon, sans plus, quoi. Et on a eu vraiment des retours plutôt enthousiasmants et positifs de gens qui nous ont écrit en nous disant ben, « En fait, le climat, je savais que c'était grave, mais grâce à vous, je découvre qu'il faut vraiment faire quelque chose et que via le rire, finalement, je me sens pas… Enfin, on ne me culpabilise pas, quoi. » Et donc, ça permet de passer à l'action petit à petit. Donc, on a un public vraiment assez tout venant, entre guillemets. On a effectivement des gens qui sont engagés dans la cause, clairement, mais pas que. Et je trouve ça intéressant de voir que via le rire, on sensibilise, on touche des gens qui, jusque-là, étaient plutôt éloignés. Alors, pas climato-sceptiques, hein, évidemment, mais éloignés, bon, sans plus. Et là, finalement, vont se dire, tiens, je vais tenter de faire quelque chose, je vais tenter de me former, je vais tenter de mettre en place des actions, même individuelles ou collectives. Parce que ce média qui me fait rire me sensibilise aussi. Ça, c'est une petite victoire pour nous quand même.